Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'appartement où vous pouvez non seulement venir pêcher sur ce lieu, mais en plus séjourner en famille. Donc dans une première partie, nous allons voir l'appartement depuis la berge là-bas pour que vous puissiez situer cet appartement sur les lieux. Ensuite, je vous amène dans l'appartement où nous ferons la visite de la chambre 1, de la chambre 2, bien sûr du salon et de sa cuisine avec tous les équipements car tout est accessible pour être vraiment en formule tout confort. On passera par la salle de douche et on finit par une vue générale depuis cet appartement en parlant bien sûr de la des vidéos suivantes. Allez, bonne vidéo! Et voilà, nous sommes partis dans cette vidéo, vidéo super importante car vous êtes aux sources de la Chabanne et l'étang que vous voyez juste derrière moi, c'est l'étang de carpodrome.fr. Carpodrome.fr, c'est partageons la passion de la pêche, mais pas que. Et aujourd'hui, je vous présente ça dans cette vidéo hébergement et séjour en pleine nature. Le facteur pêche, le facteur familial, ce que certains d'entre vous rechercheront peut-être, non seulement un lieu de pêche magnifique, mais en plus de quoi venir loger en famille et séjourner. Et c'est ça que je vous présente dans cette vidéo. C'est parti, nous allons partir ici. Je vous montre là, c'est là que je vous emmène, dans la partie de gauche, il y a un appartement et c'est ça qu'on va visiter. Tout de suite, nous y allons, un appartement d'à peu près 70 mètres carrés avec deux chambres indépendantes, deux lits, un lit en 120, un lit en 140. Donc vous pouvez venir avec vos enfants ou alors entre couple d'amis, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez. Tous les liens pour réserver cet appartement sont évidemment dans la description. Pour le moment, il est disponible en réservation sur Airbnb, sur Booking, mais peut-être que d'autres plateformes vont venir se mettre en place. Je vous tiendrai évidemment informé de tout ça au fur et à mesure des vidéos. Et puis, n'hésitez pas à poser des commentaires. Je réponds évidemment à tous les commentaires. Donc, allez-y, mettez-moi-en si vous avez des questions. Pêche, séjour, hébergement. Je propose un studio, un appartement. Ensuite, vous allez voir bientôt une vidéo où on va parler d'une cabane qui a été rénovée avec un poste personnalisé où je présente également une formule adaptée aux pêcheurs 24, 48, 72 heures avec des tarifs pêche tout compris. C'est la même chose pour cet appartement, vous pouvez le réserver, allez voir sur carpodrome.fr, le site internet, et vous allez dans l'onglet hébergement. Sur cet onglet hébergement, vous allez découvrir des détails photographiques de l'appartement et également les formules tarifs adaptés avec des formules pour vous les pêcheurs. Allez, nous y allons, c'est parti! Et voilà, bienvenue dans cet appartement, un appartement tout confort évidemment. Je vais vous montrer son équipement en termes de matériaux, d'ustensiles de cuisine. Non, pas les ustensiles, tout est là, mais tout du moins en termes de matériaux. C'est vraiment un appartement tout confort. Donc vous voyez ici, nous sommes dans la pièce principale, donc une pièce qui fait à la fois cuisine-salon avec une grande table à manger. Vous allez découvrir ça juste par la suite. Là-bas, vous avez une salle de bain. Donc je ne sais pas si vous voyez, je regarde, ouais, vous devinez l'entrée de la salle de bain, donc juste là-bas, on ira voir ça en fin de vidéo, et puis on va attaquer les chambres, donc une première chambre ici, et une autre chambre là, nous allons commencer par cette chambre, et donc en fin de vidéo, on se retrouvera là-bas au niveau de la vitre, pour vous montrer la vue depuis cet appartement. Allez. Donc nous y allons, c'est parti, on attaque avec la première chambre. Alors une première chambre pour les enfants ou pour un second couple, si vous voulez venir évidemment en famille, en couple d'amis. Donc pour le moment c'est un lit en 120 par 190, donc pour deux personnes il n'y a aucun souci. Vous pouvez largement venir, ça passe très très bien. Peut-être que par la suite, je viendrai avec sur deux lits superposés. C'est
pas impossible parce que ce serait intéressant, mais pour le moment c'est comme ça. Il fallait s'organiser. Le plus important c'était de mettre des outils vraiment en place, disponibles. Donc c'est le cas de cet appartement. Vous retrouvez les liens de cet appartement juste sous la description. Comme je vous l'ai dit, en termes de location, notamment avec Airbnb ou Booking, vous choisissez la plateforme qui vous intéresse. Alors voilà, je vous montre la cuisine. Vous voyez, on va revenir dessus juste après. Et là, on tourne ici, donc la chambre principale. On y va, c'est parti. Donc une chambre principale où là, vous avez un lit. Donc un lit classique de 140 par 190. Dans chaque chambre, il a une méga armoire. Je vous la montre ici, ça sera plus simple. Hop. Donc vous retrouvez vraiment un max de rangement. Vous voyez, de quoi ranger toutes vos affaires si vous avez pas mal de choses ou que vous êtes en voyage, sur la route bien sûr. Donc tout ce qu'il faut pour ranger, il y a des couvertures bien sûr. Il y a des serviettes disponibles, de quoi ranger toutes vos affaires. Vous retrouvez le même type d'armoire dans la chambre que nous venons de voir juste à côté. La chambre un peu plus petite, donc avec le lit de 120. Et on attaque ici. Je vous montre le lit. Donc voilà la décoration. Donc c'est une petite table que j'ai fait de moi-même. Des petites lampes. Le lit, donc 140 par 190, et cette vue exceptionnelle donc sur l'étang des sources de la Chabanne, sur ce carpodrome. On va revenir juste en fin de vidéo. Allez, maintenant nous passons dans le salon. On passe ici dans le salon. Donc les meubles, il va rester une table de salon qui va bientôt arriver, ainsi que les fauteuils. Donc voilà comment ça s'organise pour le coin cuisine. Donc vous avez le coin salon qui est juste là avec les fauteuils. Et on va partir là-bas. Donc avec le frigo. Un grand frigo avec congélateur. Le four, énormément de rangements. Il y a évidemment tous les ustensiles de cuisine. Je mets à disposition une cafetière. Il y a également un lave-vaisselle. Tout ce qu'il faut normalement pour faire la cuisine. Et encore des meubles de rangement. Comme ça, vous avez fait vraiment le tour de cet appartement. Encore des meubles ici. Pardon. Et puis la grande table. Et on va finir la visite de cet appartement par la salle de bain. Donc une salle de bain classique forcément, avec les toilettes, le lavabo, une grande vitre, énormément de rangements. Bon, me voilà. Et puis la douche. Donc une douche classique, super sympa. Vous voyez la qualité de cet appartement, pareil avec la vue. Et c'est ça que je vous propose. Hop. Et voilà, vous avez vu ce que je vous propose avec ce produit. Donc appartement tout confort. Vraiment un appartement rénové, là je viens juste de finir. Il est sur en disponibilité en location depuis 2 semaines maintenant. Et voilà, que vous dire d'autre? N'hésitez pas à venir, c'est peu de dire vraiment qu'en venant ici, vous allez réellement vous prendre une claque nature. Je vous montre la vue juste en conclusion de cette vidéo. Pourquoi une claque nature? Parce que non seulement vous pouvez... séjourner, vous balader, mais vous pouvez venir en famille. Vous avez vu, dans cet appartement, vous venez en famille, vos enfants, même éventuellement le studio, si vous voulez venir à plusieurs, en couplant une réservation sur le studio et l'appartement, pour pêcher et vous balader. Nous sommes sur le parc naturel régional de Corrèze, donc parc naturel régional des 1000 vaches, sur le PNR de la Corrèze,
C'est vraiment un lieu exceptionnel. Vous retrouvez Treignac, Buja dans un environnement très proche. Et ici, nous sommes au milieu de nulle part. La route s'arrête. Il n'y a rien après ce domaine, à part l'étang. Vous allez vraiment pouvoir exercer votre passion de la pêche et y séjourner dans un environnement d'une qualité exceptionnelle. Voilà, je vous remercie de continuer de partager les vidéos de carpodrome.fr. N'hésitez pas à venir à me poser des questions, comme je vous ai déjà dit en début de vidéo, parce que ça vaut vraiment le coup de vous intéresser à ce lieu, à tout ce que je vous partage sur la pêche. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, ça c'est juste génial, merci de continuer. Et les vidéos sont vraiment au tout début, la dynamique va se mettre en place, un rythme. Je suis toujours dans l'aménagement du domaine, du lieu. Il y a également des parcours de marche en forêt qui ont été mis en place. Une forêt où on a pas mal de circuits potentiels où vous pouvez vous balader. J'ai déjà fait 4 boucles dans cette forêt et des boucles qui sont utilisables pour vous qui séjournez ici, parce que vous n'êtes pas obligé forcément de venir en tant que pêcheur, évidemment, c'est ouvert à tout le monde, le studio, l'appartement, puis après la cabane. Mais vous, vous pouvez bénéficier d'une formule pêche en plus si vous êtes pêcheur. Vous avez toute la description sur le site carpodrome.fr. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vais vous laisser et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo où nous allons parler de montage de plomb, comment bien monter les plombs sur sa ligne de pêche. Une petite astuce vraiment efficace qui fait que vos plombs vont parfaitement coulisser et ne pas pincer votre fil. C'est surtout ça qui est important pour ne pas faire de points faibles. Et ensuite, on va sûrement faire une petite pêche à l'anglaise également dans les prochaines vidéos. Je vous laisse découvrir tout ça. Faites de vos rêves votre vie. Salut !